Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Alors, nous nous retrouvons sur la nouvelle Mother Base, exactement là où on s'était arrêté, hein, sur à l'entrée directement avec Ocelot, qui nous dit de venir vers lui. Du coup, on va aller voir ce qu'il veut. Boss, come, you came. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves to be. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. You start bringing people in, use this. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. Donc voilà. Donc là, on nous présente le système Fulton. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le système de ballon. Now approach him and extract him. Hop, je connais, merci. Et voilà, c'est ça, ce Fulton, en gros, c'est pour récupérer des soldats, des animaux aussi. Et après, on va l'améliorer, on pourra récupérer plein de trucs. Ok, ça y est, putain, tout ça pour avoir la boîte en carton. Du coup, on va ouvrir Light Raid pour demander l'hélico directement sur nous. Donc, comme je disais, on est vraiment encore dans le... Là, on va quasiment plus m'entendre, je pense, avec le bruit de l'hélico. D'ailleurs, on va peut-être changer la musique après. Parce qu'on peut changer la musique de l'hélico, hein, de l'arrivée de l'hélico. Je sais que j'avais mis... merde, comment ça s'appelle, les Valkyries. Les Valkyries. C'est la musique la plus stylée qu'il y a pour l'hélico. Alors, du coup, on va se barrer en mission. Je sais plus. Allez, regardez, c'est beau, je me salue tous. Adios, les amis. Adios, amigos. Voilà, regardez cette belle vision de la Mother Base qui va grandir, qui va devenir de plus en plus grande et de plus en plus puissante grâce à nous, bien évidemment, avec notre petit drapeau et notre logo qu'on peut modifier également. Mais tout ça, on le fera plus tard, quand on aura vraiment du temps à perdre, entre guillemets, sur la vidéo. On le fera ou je le ferai dans mon coin, on verra comment ça se passe. Donc voilà, donc on a extrait des gars. Voilà, ok. Voilà, on a débloqué plein de trucs. Wow. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your eye droid. Alors, donc à savoir qu'on a des cassettes de briefing. Donc comme là, concrètement, on va pas les écouter. Les jaunes sont importantes. Hop, les blanches, c'est que de l'info. Donc concrètement, on va pas les écouter, on va tracer comme ça. Alors ici, je ne peux accéder absolument à rien. Donc liste des missions. Voilà, donc ici vous avez toutes vos missions principales. Donc on peut faire... non, attendez. Oui, attendez, toutes les missions. Attendez. Très des équipements de communication, c'est... Bon, enfin bref, vous avez compris. Mais normalement, j'ai des missions disponibles au nord de Kaboul. Ouais, bah en fait, oubliez ce que je viens de dire. En fait, ils mélangent toutes les missions. Du coup, on va directement passer à la voix du héros. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Mission accepted. Heading to Afghanistan. Donc comme je disais, on passe directement la voix du héros. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai même pas lu l'intitulé de la mission, je crois qu'il faut éliminer des généraux ou une connerie comme ça. Ça c'est le commandant d'un détachement de Spetsnaz, ouais voilà. Du coup là on peut savoir exactement qui va y avoir dans la mission, donc il y a Revolver Ocelot, il y
à l'égard soviétique, bien évidemment. Il y a le commandant Spetsnaz. Et c'est tout, voilà. Et c'est ce que je disais, en fait, dans la dernière vidéo, c'est con parce que ça spoil carrément qui tu rencontres. Par exemple, quand il y a une mission avec, bah, comme on l'avait vu avec les Skulls, qu'on avait vu dans la première vidéo, et bah, c'est con parce que t'es là, tu commences ta mission, et dès le début de ta mission, bah, tu sais qu'ils sont là. Du coup, tu dis, ah, ok. Donc voilà, enfin voilà, c'est un avis personnel, mais je trouve ça dommage d'avoir mis ce système de merde, de générique du début. Allez, c'est parti, on y va. Donc bien évidemment, c'est toujours mieux d'attaquer un campement la nuit, sachant que je n'ai pas spécialement dit que je voulais y aller de nuit, pour des raisons évidentes de vision, parce que je me dis que vous n'allez peut-être pas assez bien voir que ça. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Bon, on va essayer de, contrairement à la dernière fois, on va essayer de faire un truc un peu plus propre, un peu plus quali, un peu plus infiltration, un peu plus pro. Donc, hop, on entend. On entend la voiture, ouais. Je sais pas où elle est en fait. Pas du tout ici en fait. Ok. Donc. Comment je descends déjà? Voilà, c'est Y. Oui, je joue à la manette, je crois que j'avais déjà dit. Alors. Je crois que le mec. Alors attendez, est-ce que je peux monter là? Je peux pas avoir un point en hauteur. Voilà. Ah, si, bah si. Voilà. Donc, faut faire gaffe à ces mecs-là, parce que c'est des gars avec les émetteurs radio qui vont pouvoir appeler du renfort. Donc le but, c'est pas de, surtout pas de se faire voir par eux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi peut-être détruire ça. Quoique ça va attirer pas mal l'attention. Donc je les marque tout simplement. Hein, je compte pas forcément passer à là où. Où il y a ces gardes-là. Mais je les marque surtout pour savoir où ils sont placés et leur progrès. Tiens, il est là. Donc ouais. Oui, donc comme je disais, c'est pour savoir un peu où ils sont, quand ils se déplacent, savoir le trajet qu'ils font. Et ainsi maximiser les chances d'éviter de se faire voir. Ça m'étonne qu'il n'y ait personne juste ici. C'est quoi, oui. Bon allez, on y va. On tente le coup. Alors on fait gaffe au projo. On sait jamais. On va essayer d'y aller un peu plus rapidement. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais effacé complètement ma save justement pour éviter le fait de finir les missions trop facilement puisque je débloque plein d'armes, et là en fait c'est le type même de mission où j'aurais pu faire ce genre de truc, c'est que dès le départ des missions, je crois qu'il y a mon curseur qui vient foutre la merde, dégage. Dans ce type de mission en fait, j'aurais très bien pu dès le début prendre un sniper et sniper le mec, ce qui n'est pas du tout intéressant. C'est pour ça que je préfère vraiment la jouer à réglo, on va dire, entre guillemets, et complètement effacer ma save pour ensuite se repose, il fait dodo. Allez, on l'embarque aussi à la Mosul Base, ça lui fera du bien, un petit tour chez nous. Alors je recharge, je sais pas pourquoi j'ai utilisé qu'une seule balle. J'extrais tout le monde, moi je suis comme ça. À la Mosul Base, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Comme à McDo, venez comme vous êtes. Hein. On vous accepte. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est lui. Alors, deux possibilités. Soit, effectivement, on va l'éliminer directement. Soit, on peut également l'extraire, normalement, si je ne dis pas de bêtises. On devrait pouvoir l'extraire pour... pour
pour le neutraliser, on va dire ça comme ça. Alors on va quand même récupérer ça et ça. Hop. Un petit dodo. Alors. Ah merde, putain, oui, c'est vrai que les gars ils voient. Et c'est vrai que quand j'utilise un Fulton, les gars ils le voient. Et du coup, c'est. J'ai mis à ce truc. Subject on board. Leave the rest to us. Absolument pas faire ce que je suis en train de faire. C'est. Attendez, est-ce qu'il va venir? Ah bah oui, mais il vient là. Oulolololo, il y en a partout. Là, il y en a partout. Ça fout la merde. Là, ça fout la merde totalement. Attendez, je crois qu'il arrive. Il est là. N'importe quoi, je vous le cache pas. Hop, plus que 3 balles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pas qu'on extrait. Ouais, si c'est bon, ça passe. Hop. Voilà, après avoir extrait le mec, voilà, quitter la zone de danger, on va rejoindre The Horse. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Donc là, faut juste que je cours. Tout simplement, j'allais donner un exemple de jeu, mais en fait, j'en ai aucun qui me vient en tête. Et où en fait, voilà, tu termines ta mission, il faut que sortir de la zone. Mission complete. Donc comme je vous avais dit hein, à la toute première vidéo, rang S, nom de code, pouce 1. Voilà, donc pas d'essai, pas de mort, pas de mode réflexe, pas d'alerte ennemi déclenchée. C'est vrai que j'ai pas déclenché d'alarme, juste des suspicions, même s'ils voyaient un de leurs potes décoller avec un ballon, ils se disent ouais c'est normal, c'est normal. Ça arrive souvent, Jean-Jacques aime bien s'envoler. Pack. Voilà, hein, comme d'hab, le petit générique de fin. Et donc la cassette que j'ai récupérée, plus éléments d'emblème obtenu. Vous pouvez maintenant développer l'armement pour l'hélicoptère de soutien. Vous pouvez maintenant. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again. Having choppers and a horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Voilà, donc on peut modifier tout ça. Donc volontaires spéciaux. Gold Fox. Donc le gars il est venu de lui-même dans notre armée. Humber Fox. Soldat d'élite. Attendez. Mais ah oui, c'est un des mecs que j'ai extrait ça. Donc le mec parle russe. Voilà, du coup, là, vous avez vos missions principales. C'est ce que je vous disais. J'avais un gros doute, je me suis dit, attends, il mélange toutes les missions, mais je ne me rappelle plus de ça. Donc, les missions principales sont ici. Et bien sûr, vous avez les missions secondaires, les side ops, qui sont ici. Donc, extraire, extrayer l'interprète russe. Donc, je vous le dis cash, ça, c'est des missions que je ferai tout seul dans mon coin, parce qu'elles sont inintéressantes pour vous. Mais putain, j'ai un nombre de pimes impressionnant. Vous savez quoi, on va ignorer ce truc-là, ça me rend ouf.
Du coup, oui, je disais que ça, je vais les faire tout seul parce que pour vous, il n'y a aucun intérêt. C'est souvent de l'extraction, des trucs comme ça, destruction, extraction. C'est comme dans The Witcher en fait. Donc, mission principale. Du coup, les cassettes, hein, on a encore la Mother Base. Voilà. Hop, c'était bien. C'était vachement intéressant. Donc, oui, il y a aussi ça. Là, on peut voir clairement les tâches à accomplir. Là, vous avez localisé Kaz, vous avez extrait Kaz, vous avez extrait le commandant du camp militaire de Waxind. Pour vous dire, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Vous avez extrait le chauffeur du camion de transport. Vous avez accompli la mission sans vous faire repérer par les crânes. Alors ça, bon, ça c'est assez facile à faire. Mais voilà, quoi, faut avoir la bonne technique. Je viens de mettre une nouvelle quête, une nouvelle mission. Donc ça je trouve ça plutôt cool de pouvoir directement depuis la map Afghanistan ou autre, vous verrez plus tard, de pouvoir directement depuis cette map sélectionner sa mission, y aller par nos propres moyens et l'activer entre guillemets directement sur place quoi, au lieu de devoir passer par l'hélico pour. Enfin voilà, vous avez compris. Du coup il nous reste quand même 300 mètres, hein, du coup on va se retrouver directement là-bas, à tout de suite. CTW, ainsi se nomme la mission. You need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Alors, excusez-moi, j'étais en train d'organiser le. G-Dog! He's a tough little guy. Regardez le boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Je te vois pas. Je te vois pas. Il est là. Regardez-le. The map has been G-Dog. Il est pas trop mignon. Allez, on l'emmène. Vous vous doutez bien que ça, c'est fait exprès. C'est un petit. C'est le loup. Allez, c'est parti. Nous, on va en mission pendant que G-Dog rentre à la base. Et puis, bah, on se retrouve directement dans 600 mètres, les amis. A tout de suite. Donc, voilà, nous arrivons au point. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là là, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Ah ouais, direct, j'arrive, c'est direct le bordel, en fait. Oh putain, ils sont pas tombés, en plus. Ok. Ah, direct, ça commence. Hop, là, voilà. Ça, c'est fait. Son pote. Ouais, il bouge pas, hein. On va essayer d'endormir. On va pas essayer, on va l'endormir. Voilà, comme ça lui. Voilà, j'en récupère un maximum pour la base. Ça va améliorer la recherche et développement, la médecine, enfin un peu tout dans la base. Là pour l'instant, ils vont se mettre automatiquement dans les lieux où ils sont le plus performants. Et après, moi, si je veux les déplacer, les mettre ailleurs, je pourrais très bien faire ça plus tard. Ou ne jamais m'en occuper et les laisser faire un peu leur vie seule. Alors. Alors, le truc de communication, il est là. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Et il y en a trois. Non, pas celui-là. Alors. Non. Donc ouais, vous voyez le conteneur là-bas, on va pouvoir le prendre aussi avec le fulltop. Ouais. Comment ça je l'ai pas eu, eh. Ah bah putain. Ah putain, j'ai été repéré. Donc voilà, comme vous pouvez voir, quand on se fait repérer, et ben on perd l'héroïsme aussi. Donc là le but c'est soit. Alors attendez, parce que du coup je vais en abuser. Hop. Voilà, comme je vous ai dit, il y en avait 3. Peut-être que j'accélère, hein, je crois que c'est bon.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va y aller comme un porc. Hop. L'avantage qu'il y a, c'est que je sais. Merde. Hop. Et voilà. On n'en parle plus. Donc là, vous voyez, une sur six, il y a là les tâches à faire sur cette mission. Je fais pas de conneries pour avoir tout fait, c'est une galère. Justement, de tout faire, c'est une galère sur le truc. Alors, vas-y, G-Horse, on se casse. On a pas... Allez, on se casse. Là, il nous tire à coups de mortier et tout ça, c'est le bordel. Hop. Ah voilà, tout simplement. Ah oui, d'accord, ok. Ok, non, mais c'est pas tout simplement, en fait, d'accord. Je sème... C'est bon. Mission. Mais je ne complète, Snake. Extraction arrived at mother base. Development project has been added. Et voilà. Donc un petit rang A qui fait plaisir, sans compter le niveau de lien. Avec D-Horse, on va là aussi l'avoir avec en fait tous les compagnons qu'on va avoir, notamment comment il s'appelle, D-Dogs. Vous verrez, de toute façon, D-Dogs c'est un des persos que je prends tout le temps. Mais en fait, tout le temps 300 000 de 3 millions de PIM. C'est bizarre ça. Enfin bref, ne prêtons pas attention. Alors, ce multiplace qui est arrivé aux anciens membres de la Mother Base. Ils sont tombés dans Metal Gear Survive, les pauvres. Going like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Come back! Mitch. Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I say we got a true diamond dog on our hands. D.D., right? Ocelot raising hounds. Come on, Dee Dee. Je vais le faire sans faute. Ouais, j'allais dire, avec son cigare électronique, en fait, il défonce tout le monde avec le cigarette électronique. Parce que lui, carrément, il a un briquet électronique qui fait un feu
holographique, et en plus son cigare électronique fait de la fumée électronique holographique. Alors c'est bon, il a tout gagné le gars. Donc voilà, vous vous en doutez sûrement, hein, le retour à la Mother Base signe bien évidemment l'arrêt de la vidéo. On va juste aller prendre une douche avant, histoire d'être un peu plus propre, puisque Didi nous a un peu léché partout avec la gueule en sang, c'est pas top. Hop, allez, à la douche. Et voilà, physiquement et mentalement rétabli. Donc voilà, c'est comme je disais sur cette vision encore une fois de la Mother Base que nous allons nous quitter. Nous allons nous arrêter là avec l'arrivée tant attendue de Didi qui est enfin parmi nous. Vivement qu'il soit grand le petit. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ça dépend quand vous regarderez. Allez, ciao, bye bye tout le monde.